Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo recette, un gâteau roulé à la crème de framboise. Pour la crème, il vous faudra 300 g de framboise, un œuf, 7 g d'édulcorant, 10 g de maïzena, 3 feuilles de gélatine. Je commence par mixer les framboises. Je prépare cette crème le soir pour le lendemain. Et je le passe au chinois pour faire un joli coulis. Et voilà! Dans mon robot Fagor cuiseur, je mets le coulis, de maïzena, les 7 g d'édulcorant et un œuf. Je le mets à 50 degrés pendant 10 minutes, vitesse 3. Vous pouvez très bien le réaliser à la casserole. Je mets à tremper les 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide que j'incorpore à la préparation et je mélange tout. Je laisse bien refroidir et je le laisse toute la nuit dans le réfrigérateur. Pour le biscuit, il vous faudra 3 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 10 g de maïzena, 30 g de son d'avoine, 5 g d'édulcorant, un sachet de levure chimique, 240 g de skyr et la moitié d'un bouchon de colorant rouge. Je mélange l'édulcorant avec les jaunes d'œufs. Je viens y rajouter le skyr. La maïzena et le son d'avoine. Et je rajoute un sachet de levure chimique. Je monte les blancs en neige. Je les incorpore en deux fois.
Je mets de côté 5 à 6 cuillères de pâte et j'y rajoute le colorant. Je prépare ma plaque. Je rajoute un petit peu d'eau pour faire coller la feuille de cuisson. Je prépare ma poche à douille. Et je rajoute la préparation rouge. Et je fais des petits ronds sur ma plaque. Je viens enfourner 5 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je verse le reste de la préparation sur les ronds rouges et j'étale délicatement. Je tasse bien et j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Pour démouler, je retourne ma plaque sur une planche à découper. Je dépose un torchon propre et humide et je retourne pour que les ronds rouges soient de l'autre côté. Je roule dans le torchon humide et je laisse poser 5 petites minutes. Je déroule et je laisse refroidir pendant une demi-heure. Voilà la crème framboise que j'ai fait la veille. Je viens bien l'étaler sur mon biscuit. Je roule et je laisse dans le réfrigérateur pendant 3 heures. Voilà un joli gâteau roulé à la crème de framboise. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez liker et me laisser un petit commentaire. À bientôt !